quand on a une terre comme celle-ci, où on a encore des gros morceaux de terre, on commence par se servir du croc d'arrachage qui va nous permettre vraiment de tirer sur la motte et aussi de la casser. Donc ça fonctionne de la façon suivante, vous avez 4 dents assez resserrées, il fait 12 cm de largeur. Donc voilà, sur une motte comme celle-ci, on va venir la casser avec un mouvement franc. Vous voyez, je laisse vraiment travailler le levier, je ne force pas, hein. Je viens juste casser ma terre. Et ça permet vraiment d'obtenir une terre beaucoup plus sableuse qui va être beaucoup plus facile à travailler derrière. L'intérêt de ce croc, c'est que si vous enfoncez les dents entièrement et que vous tirez, vous ne risquez jamais de laisser le fer de l'appareil à l'intérieur du potager parce que grâce au montage sur soie, l'appareil rentre dans le manche et est douillé derrière. Évidemment, on est sur un acier extra trempé à 850 degrés, donc extrêmement résistant. Donc toujours pareil, hein, une fois que la terre a bien été décompactée, on n'a pas besoin de forcer, on laisse juste retomber l'outil. On fait un petit mouvement de levier pour décoller la terre. On va finir cette petite partie-là tranquillement. Voilà. Vous voyez le résultat, évidemment. C'est tout de suite beaucoup plus agréable à produire.